Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines espèces animales disparaissent de jour en jour? La réponse à cette question est malheureusement souvent liée à l'être humain, que ce soit directement causé par lui-même ou par ses actes sur l'environnement. Je m'appelle J.C. Pierry, je suis photographe et réalisateur autodidacte. La nature en général, les paysages, les animaux, sont des raisons pour lesquelles nous voyageons, pour lesquelles nous cherchons à découvrir de nouvelles choses, et pour ma part, essayer de trouver des réponses à certaines de mes questions. C'est en 2018, lors d'un voyage en Tanzanie, que j'ai pu réaliser un de mes voyages de rêve en ayant l'opportunité de vivre mon premier safari. C'est à cet instant que j'ai compris la fragilité de ce monde animalier. Mes nombreux voyages m'ont permis de prendre conscience de certains problèmes, et de parfois même être confronté à quelques-uns d'entre eux, tout en ayant cette impression d'être impuissant face à ce que je voyais. J'avais donc ce besoin de partager et retranscrire au plus grand nombre de personnes ce que je découvrais grâce à la photo et la vidéo. La Namibie fut alors un de ces voyages qui a changé ma vision des choses. Ce pays, situé au sud-ouest de l'Afrique, est une destination de rêve pour tous les voyageurs et adeptes de photographie. C'est avec mon ami Hervé Alix que j'ai eu la chance de parcourir plus de 3500 km pendant près de 10 jours, à la découverte des plus beaux paysages, mais aussi à la rencontre de cette incroyable faune sauvage. C'est ce que nous souhaitons vous faire partager tout au long de ce voyage, mais aussi la raison pour laquelle les guépards disparaissent de jour en jour. Une raison simple que nous n'aurions pas imaginée, et surtout une solution à laquelle je ne m'attendais pas. Je vous invite alors dans ce beau voyage, à la découverte de nos endroits favoris, et comprendre comment en l'espace de 100 ans, la population mondiale des guépards a diminué de 90%, en vous faisant découvrir un lieu unique au monde, destiné à leur préservation. Comme tout pays, la Namibie regorge de richesses, et c'est en allant au plus profond que vous pouvez y découvrir des lieux uniques au monde, et parfois même de belles rencontres. On parcourait alors en moyenne 300 à 600 km par jour, selon les lieux où l'on devait aller. Notre premier point de chute se situe à l'extrême sud-ouest du pays. Kolmanskop est un village fantôme, qui est en partie enseveli par le sable, créé après la découverte d'un diamant sur place. Un village qui fait le bonheur des photographes qui viennent du monde entier pour photographier l'intérieur de ces maisons, aujourd'hui désertes mais remplies d'histoire. Ces maisons subissent de nombreuses tempêtes de sable, mais ce n'est pas la raison pour laquelle cette ville a été abandonnée. Elle a définitivement été désertée en 1958, après la découverte de nombreux diamants à près de 270 km du village. Le climat aride du désert et de nombreuses tempêtes de sable ont créé ce décor unique. Le mix entre le sable qui s'est introduit dans chacune de ces maisons, leur architecture, les peintures encore parfois intactes et les quelques portes restantes nous permettent d'obtenir des clichés étonnants et esthétiquement fascinants. Après cette matinée passée à visiter ces maisons abandonnées, nous sommes allés en direction de Lüderitz, la ville la plus proche, pour y passer la nuit avant de reprendre la route le lendemain. Mais en rentrant dans le village, j'ai aperçu des jeunes Namibiens jouer au foot au loin. Je n'ai pas pu m'empêcher de les rejoindre et leur demander si je pouvais jouer avec eux. Ce sont dans des moments pareils que l'on comprend la force du voyage et ce qu'il peut nous apporter en partageant nos cultures. Ici, toutes les barrières s'effacent. Vos origines, la couleur de votre peau, votre religion, et même les problèmes que chacun peut avoir dans sa vie. Quelques minutes où l'on oublie tout, même si l'on reste conscient de tout ce qui nous entoure. Ce fut alors une belle expérience que j'ai pu partager avec ces jeunes Namibiens. Rien d'exceptionnel, mais encore une fois des moments simples que chacun d'entre nous était heureux de vivre. Le jeu est sans doute un des meilleurs moyens de communication quand nous rencontrons la barrière de la langue. Des gestes universels, mélangés à des moments de joie qui permettent de comprendre en l'espace d'un instant que chacun d'entre nous est heureux de partager un moment pareil. Notre voyage a ensuite continué pendant quelques jours, à visiter tous ces endroits que nous rêvions de voir. On est remonté vers l'ouest du pays, afin d'aller à Sossusvlei et Deadvlei, un désert unique au monde. On a pu y découvrir ces incroyables arbres morts en plein milieu de ces immenses dunes de sable. Cet endroit est sûrement un des plus touristiques du pays, mais en voyant le décor, on peut comprendre pourquoi les voyageurs décident de venir jusqu'ici.
paysage est caractéristique de la Namibie, avec ses dunes à perte de vue. Non très loin de ces dunes se cache Moon Landscape. Comme son nom l'indique, le paysage lunaire. La sensation de traverser ces montagnes est indescriptible. Vous vous sentez réellement dans un autre monde et vous avez cette impression d'être perdu au milieu de nulle part. Notre route nous a amené à passer par d'autres endroits fantastiques, comme ces immenses salières près de la ville de Walvis Bay, des étendues de sel rose, encore un décor auquel on ne s'attendait pas. C'est ensuite à Spitzkop que nous avions décidé de faire un stop pour la nuit avant d'atteindre le nord du pays et entrer dans le célèbre parc national d'Etosha, là où nous aurions la plus grande chance de voir les animaux. Nous pouvions au loin observer ces superbes montagnes. Nous savions encore une fois que nous étions sur le point de découvrir un lieu majestueux. Petit à petit, notre voyage nous amène vers ce pourquoi nous étions venus. Outre ces superbes paysages, ce sont ces animaux sauvages qui font la beauté et la richesse de ce pays. C'est alors dans le parc d'Etosha, avec plus de 22 000 km², que nous avons pu observer ces animaux que l'on rêvait de voir. On rentrait alors dans le cœur de notre voyage, et c'est ici que j'ai vécu un des moments les plus incroyables de ma vie, avec des animaux. On a vu au loin une horde de plus de 30 éléphants, et je rêvais d'une photo. Avoir un troupeau d'éléphants aligné face à moi. Ici, la nature décide, et vous ne pouvez que vous adapter à ce qu'elle a prévu de faire. La seule solution est alors d'anticiper et essayer de prévoir leurs mouvements. Je n'ai jamais senti autant d'excitation et d'envie de faire des images. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai pu ressentir pendant ces 5 minutes à observer ces animaux si majestueux qui ne faisaient que passer. J'ai pu, à mon sens, réaliser ma première photo extraordinaire après près de 15 ans de photographie. La définition d'une photo extraordinaire prend alors tout son sens ici. Qu'est-ce qu'une photo extraordinaire ? Pour moi, c'est ce cliché qui est unique, car c'est un moment de vie qui ne se reproduira jamais à l'identique et qui vous procure une sensation que vous ne pouvez expliquer. En Namibie, il existe un grand nombre de réserves. Et c'est celle d'Erindi que nous avons visitée ensuite, où des guides locaux nous ont amenés au plus près des espèces que nous n'avions pas encore eu la chance d'observer, comme les lions par exemple. À ce jour, ils ne sont pas autant menacés que d'autres félins, comme le guépard ou encore le léopard. Mais le lion est aussi un animal fragile, même s'il semble régner sur tous les autres. Ces moments m'ont rappelé mon voyage en Tanzanie, où j'ai eu la chance de pouvoir observer des bébés lions.
Je me souviens avoir passé près de 3 heures à contempler ces animaux en me répétant sans cesse combien ils sont beaux et combien ce moment que je suis en train de vivre m'en apprend beaucoup sur la nature. Ces animaux sauvages sont menacés, et c'est mon devoir de montrer au maximum de personnes, grâce à mes images, leur beauté et combien on se doit de les préserver. La vidéo et la photo permettent de sensibiliser ceux qui n'ont pas la chance de les observer à l'état sauvage. C'est en étant au plus près d'eux que l'on prend conscience de beaucoup de choses. Le voyage prenait alors tout son sens, en visitant ce magnifique parc d'Etosha et nous rapprocher petit à petit de notre but. La diversité des animaux est fascinante. Que ce soit en Namibie, dans le parc d'Etosha, ou en Tanzanie, dans le Serengeti, j'ai pu croiser un nombre incalculable d'espèces différentes. C'est cette multitude d'animaux, petits ou grands, vivant les uns avec les autres, qui m'a poussé à utiliser mon savoir-faire pour le partager au plus grand nombre de personnes. Observer ces animaux dans leurs espaces naturels est sans doute une des plus fortes sensations que j'ai pu ressentir dans tous mes voyages. Une puissance que je ne peux vous expliquer. Mais en Namibie et dans le monde entier, tous les animaux sont en danger. Le guépard fait partie de cette liste. Ce félin est fascinant et d'une beauté incroyable, mais son espèce est en voie d'extinction. Ici, c'est dans la réserve d'Erindi que nous avons pu observer 3 d'entre eux. Ils venaient de chasser et étaient donc en plein milieu de leur repas. Nous pouvons observer que les guépards possèdent des colliers. Ces colliers permettent de pouvoir les recenser et de les protéger. Les rangers et guides ne se servent pas de ces colliers pour le tourisme, mais bien pour les protéger afin de savoir plus ou moins où ils se situent et veiller sur eux. J'ai alors compris l'importance de cet animal, en voyant ces colliers et combien ils étaient précieux. C'est donc à ce moment que j'ai demandé à mon guide pourquoi et quelle est la raison pour laquelle ces animaux sont menacés. Je savais que la chasse était une de ces causes, que le trafic de ces animaux pour en faire des animaux domestiques avait aussi son importance, mais qu'il y avait encore quelque chose de plus qui a accéléré ce processus d'extinction. J'avais entendu parler du CCF, le Cheetah Conservation Fund, un lieu qui permet de préserver les guépards et qui était sur notre chemin retour avant de repartir en France. Mon guide m'a alors confirmé que c'est cet endroit qui pourra m'apporter la réponse à ma question. Le CCF était donc devenu un incontournable de notre voyage. La découverte que j'ai pu faire ensuite dans cet endroit que nous avions décidé de visiter est stupéfiante. Le guépard a mis 4 millions d'années pour devenir cet animal unique qu'il représente aujourd'hui. L'homme n'a eu besoin que de 100 ans pour amener cette espèce au bord de l'extinction en faisant diminuer son nombre de 90%. On pense que la population sauvage de ces magnifiques félins compte moins de 7500 individus en 2020. Les guépards
ont disparu d'au moins 16 pays au cours des 60 dernières années. Sur cette lancée, la population sauvage de cette espèce pourrait s'éteindre d'ici 20 ans. La Namibie héberge la plus grande population de guépards au monde. Cela représente 30% de la population, soit près de 3500 individus. Mais pourquoi la population diminue-t-elle aussi vite? Une des causes qui semble être la plus logique est forcément la chasse de ces animaux. Malheureusement, il existe encore de nombreuses sociétés qui permettent et offrent pour des tarifs très onéreux la pratique de cette chasse en vous affirmant que ceci est légal. Il est compliqué de savoir ce qui est vraiment légal, mais cela ne semble pas poser de problème à ces sociétés et ces pratiquants en exhibant leurs trophées de chasse sur les réseaux sans cacher leur visage. Il semblerait même que d'après les règles, les pays comme le Canada, le Mexique, l'Espagne, la Russie et la France et d'autres autorisent encore l'importation de trophées de guépards. Cela voudrait dire qu'ils cautionnent cette chasse alors que c'est une espèce en voie de disparition. Certains chasseurs professionnels prônent le fait que ce type de safari permet de protéger les animaux. Un paradoxe dur à croire et à comprendre, car selon eux, le prix qu'ils payent permet d'aider à la préservation de certaines espèces. Certains d'entre eux évoquent même le fait qu'ils chassent seulement des animaux malades et condamnés, et que cette chasse peut parfois même amener à une augmentation du nombre d'animaux. Cette chasse est devenue un fléau, et qui semble ne pas faire l'unanimité chez chacun d'entre nous. Cependant, aussi triste que cette chasse peut être, ce n'est pas la plus grande raison pour laquelle ces guépards disparaissent aussi vite, même si elles semblent y contribuer fortement. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer, en visitant ensemble le Cheetah Conservation Found. Ce magnifique endroit a été créé en 1990 par le docteur Laurie Marker, une Californienne. Son amour pour ces félins l'a poussé à consacrer sa vie à leur préservation. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment ces animaux disparaissent, quelles sont les solutions pour les préserver et pourquoi certains d'entre eux resteront à vie en captivité et d'autres seront relâchés. Mais avant ça, découvrons comment ces guépards vivent au sein même des 30 000 hectares du CCF. Alors la première chose qu'on va voir ici avec toute l'équipe, c'est comment ils nourrissent les guépards. Alors je vous ai expliqué forcément que les guépards ici, ils sont en ce moment en captivité, mais qui seront relâchés ensuite. Donc pour le moment, c'est bien entendu à eux de les aider en les nourrissant. Et donc là, vous pouvez voir donc toute la viande qu'il y a derrière, c'est tout pour eux. Et là, les guépards, ils sont juste là, ils ont vraiment senti la viande, ils sont prêts à manger. Donc je pense que ça va être vraiment intéressant à voir comment ils les nourrissent. Ouah. Ils sont chauds, je crois qu'ils attendent qu'une chose, c'est vraiment manger. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe maintenant. Alors ils ont expliqué qu'en fait, les guépards, quand ils tuent leur proie dans la nature, ils aiment faire ça très bien dans un sens, ils n'aiment pas que la viande soit sale, c'est-à-dire dans du sable, etc. C'est la raison pour laquelle ici ils sont servis dans des bols pour que ça soit plus facile pour eux et que ça soit en fait en relation avec ce qu'ils ont l'habitude de faire dans la nature. Donc là c'est fou, on a pu voir qu'en vraiment 3 secondes ils sont allés vraiment chacun sur un morceau de viande et voilà, ils ont maintenant chacun leur morceau et ils le gardent vraiment bien dans le bol pour pas qu'il soit dans la terre et qu'il soit sale parce que c'est vraiment leur nature, c'est vraiment ce qu'ils font. Donc là c'est fantastique et ils ont pu aussi nous expliquer pourquoi ils ont chacun un os dans la viande qu'ils ont là. C'est pour pouvoir manger un petit peu moins vite parce que sinon ils mangent beaucoup trop vite. Donc voilà, donc ça aussi c'est pour les habituer à manger un peu moins vite, il y a toujours un os avec. Et là, je pense qu'on peut voir qu'il se régale. Donc là, on a pu voir qu'ils ont nourri donc les guépards. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi ils n'ont pas le droit en fait de mettre dans les enclos, par exemple, des animaux sauvages. Parce qu'on pourrait croire qu'il faudrait leur mettre un animal sauvage pour qu'ils puissent apprendre à chasser. Alors ici, les animaux que vous voyez ici, les guépards que vous voyez ici sont des guépards qui seront donc, comme je vous ai expliqué, en captivité tout le long de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus trop jeunes ici et quand ils sont trop jeunes, en fait, leur mère ne leur a jamais appris à chasser. C'est la raison pour laquelle, en fait, ils ne pourront jamais apprendre à chasser
Pourquoi aussi? Parce qu'ici, c'est illégal de mettre un animal sauvage, de les laisser en espérant qu'ils vont apprendre eux-mêmes à chasser. C'est la raison pour laquelle aussi, donc, ils vont rester, eux, ici, toute leur vie ici. Derrière moi, plus loin là-bas, il y a d'autres guépards qui sont arrivés à un moment différent de leur vie. Ils sont arrivés à un moment où ils avaient eu la chance que leur mère puisse au moins leur apprendre à chasser. Donc ces guépards-là, par contre, on va leur donner aussi à manger comme ça ici. Mais ensuite, quand ils seront relâchés dans la nature, ils pourront chasser par eux-mêmes parce qu'ils ont eu la chance de pouvoir apprendre. C'est la raison pour laquelle eux ici ont à manger comme ça et ne seront malheureusement jamais relâchés, même s'ils sont très très bien traités, il n'y a aucun problème. Mais que les autres ensuite derrière seront lâchés plus tard parce qu'ils ont eu la chance de pouvoir apprendre à chasser. Alors j'ai aussi pas mal discuté avec les gens qui travaillent ici et j'avais une question, à mon avis qui a du sens, c'est comment ils font pour pouvoir se reproduire? Parce qu'ici ils les préservent, mais le but c'est qu'il y en ait beaucoup plus parce qu'on en a perdu énormément des guépards, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Il en reste plus que 7000 environ dans le monde et dont 30% qui vivent ici en Namibie. Alors au niveau de la reproduction, en fait, eux, ils ne peuvent pas reproduire les guépards. Pourquoi? Ils ne peuvent pas les aider. Pourquoi? Parce qu'en fait, les seuls qui pourraient, dans un sens, aider à se faire reproduire, ce sont ceux qui sont ici, qui sont plus ou moins apprivoisés dans un sens. Le seul problème, c'est que si eux, ils les aident à se reproduire, ils vont créer donc des nouveaux guépards qui vont être, en fait, pas capables de chasser parce qu'eux ne savent pas chasser. Et donc, eux, ça va être donc les mères et les pères, donc ne vont pas pouvoir apprendre aux enfants, donc aux bébés, à chasser, et donc en fait ça va ne servir à rien parce qu'on va juste tout simplement avoir beaucoup plus de guépards qui vont être en captivité ici et non pas des guépards qui vont pouvoir libérer ensuite. C'est la raison pour laquelle ici ils ne les utilisent pas, ils ne font rien du moins pour la reproduction. Simplement ils les préservent et ils essayent de pouvoir les remettre dans la nature le plus possible et qu'ils se reproduisent naturellement entre eux. Toutes ces explications grâce au personnel du CCF m'ont permis de comprendre très rapidement l'importance de leur préservation. À ce stade, je ne connaissais pas encore la source du problème et pourquoi autant de ces félins disparaissent chaque année. Mais avant cela, un guide local a souhaité nous amener à la rencontre de 4 de leurs guépards et nous expliquer leur histoire. Friends. Oh, bonjour. Bonjour. Parle français? Un petit peu. Je m'appelle Travis. Ok. Je suis votre guide. Parfait. Parfait. This one? Donc là, on va voir exactement 4 guépards, 2 femelles et 2 mâles qui vivent donc dans 8 hectares rien que pour eux. Quand ils les nourrissent juste là derrière ici. Ils les ont nourris donc le matin à 9h. Et ensuite, donc, il nous a expliqué que c'était des guépards aussi qui ne pourront malheureusement eux jamais relâcher parce qu'ils sont venus à un moment de leur vie où ils n'avaient pas encore appris à chasser, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, comme les autres. Donc là, on va essayer d'aller à l'intérieur et on va voir un petit peu comment ils vivent. Donc vous avez vu que ce sont eux-mêmes qui nourrissent les guépards, mais vous allez me dire comment ils font pour courir, parce que s'ils ne chassent pas, ils ne courent pas. Et bien sûr, ils ont besoin de faire de l'exercice. Alors le matin, ici, c'est normalement à 8h, on n'a pas été là, c'est dommage, mais ils ont un exercice un petit peu particulier où il y a une grande corde sur le sol avec un petit élément, genre comme une petite poupée, un petit truc par terre avec un chiffon qui font aller vraiment super vite et le guépard donc il va courir pour essayer de choper ce petit chiffon. Et ensuite sinon ce qu'ils font aussi c'est par exemple ici avec ces 4 guépards, c'est que sur la voiture ils accrochent un petit peu de nourriture et donc ils font courir les guépards comme ça et ils leur donnent aussi en plein milieu de la nature, ça leur permet de leur faire un petit peu d'exercice parce qu'ils ne chassent pas. Ce sont donc les 2 femelles que nous avons pu observer en premier. Physiquement, les mâles sont plus grands et plus larges que les femelles, ce qui permet de les distinguer assez rapidement. Le guide nous a aussi expliqué pas mal de choses intéressantes par rapport au guépard. Déjà qui peut courir donc entre 110-120 km/h et qui peut atteindre donc cette vitesse en seulement 3 secondes. Et que lorsqu'il saute aussi, il peut faire des bonds de plus de 7 mètres. Et il nous a expliqué aussi que quand il est donc étendu, quand il fait un bond, son corps peut atteindre jusqu'à 2,30 m de long. Donc c'est vraiment impressionnant comme animal. Et là maintenant, on va se diriger, on va essayer de trouver maintenant les 2 mâles et voir un petit peu s'ils sont différents, s'ils sont un petit peu plus gros. Ce qu'il nous a expliqué, c'était vraiment la différence entre les mâles et les femelles. À savoir aussi, c'est qu'en Namibie, il y a beaucoup de ces arbres que l'on voit derrière nous. Ce sont des arbres avec des épines. Et en fait, le problème, c'est qu'il y en a tellement que c'est trop dense pour les guépards. Et donc, en fait, ils ont des problèmes pour chasser parce qu'ils ne voient pas. Ils ont besoin de grandes prairies pour chasser. Donc ici, ce qu'ils font aussi au CCF,
c'est qu'ils coupent ces arbres-là. Ils ont créé vraiment une entreprise pour ça. Ils coupent ces arbres et en fait, ils en font ensuite des bûches pour faire des feux. Et donc, ils vendent ça. Et donc, c'est vraiment très, très écolo à la fois ici de pouvoir créer ça et de pouvoir les vendre ensuite. Et donc, ça leur permet aussi de faire des fonds, d'avoir de l'argent pour pouvoir maintenir et vraiment tout cet écosystème qu'ils ont ici. Là, on a trouvé les deux autres guépards, donc ce sont les deux mâles. Ils ont 14 ans, eux, les femelles avaient 8 ans, eux, ils ont 14 ans. Et donc, le guide aussi nous a expliqué qu'en fait, ces deux guépards viennent de quelque chose d'un petit peu différent, c'est-à-dire qu'ils étaient utilisés comme des animaux domestiques. Donc, ils ont réussi à les reprendre et à pouvoir les intégrer ici au CCF. Donc, ça, c'est vraiment chouette de les avoir ici. Mais voilà, comme je vous ai expliqué aussi, là, ici, ce sont des animaux qui ne pourront pas, malheureusement pas être relâchés parce qu'ils ont trop eu l'habitude de voir l'humain et donc ne seraient pas capables de pouvoir chasser dans la nature. Il était temps de comprendre comment cette espèce disparaît aussi vite de jour en jour. Les guépards vivent dans des espaces non protégés et se rapprochent alors souvent de l'homme en attaquant le bétail des fermiers qu'ils considèrent comme des proies naturelles pour eux. Pour les fermiers, le guépard est alors vu comme un danger pour leur bétail et décident de les chasser pour protéger leur ferme. Je ne m'attendais pas à apprendre que c'est cette raison pour laquelle ce superbe félin disparaît aussi rapidement. Il fallait donc alors trouver un moyen simple et efficace de pouvoir empêcher les guépards d'approcher des cultures et du bétail des fermiers. Là ici on peut simplement voir, en fait c'est le nom de certaines personnes qui ont fait des grosses donations, des entreprises aussi. Donc là c'est vraiment vraiment top, on peut voir. Ici il y a même Walt Disney, Pepsi Cola, KPMG, enfin des grosses entreprises, donc ça c'est top. Donc ça permet de voir aussi que cet endroit commence à être vraiment connu et qu'il y a des gens qui veulent vraiment soutenir ça. On en reparlera à la fin, je vous expliquerai exactement comment vous pouvez soutenir aussi cet endroit et comment nous on l'a fait. Je pensais que les seuls animaux présents dans cet endroit étaient seulement des guépards. La suite de notre visite nous a alors permis de découvrir ces autres animaux qui sont à l'origine de la solution pour préserver ces félins. C'est la fête! C'est la fête ici, hein, les amis, c'est la fête! Oh là là, ça saute! Oh là là, ça mord un peu quand même! Hein. Vous vous demandez donc pourquoi nous voyons des chèvres? Exactement ce que le guépard aime chasser lorsqu'il est dans la nature. Nous connaissons l'efficacité des chiens de berger. Et c'est donc cette solution que le CCF a décidé d'exploiter en dressant des chiens de berger turcs, très spéciaux, qui sont les bergers d'Anatolie et de Kangals, afin d'aider ces fermiers. Ils ont donc créé un élevage de chiens de berger, qui dressent et mettent en condition en vivant avec des chèvres jusqu'à l'âge de 11 mois, avant d'être vendus pour une somme très abordable pour les fermiers. You told me now how much you sell them to a so farmer? So it's a $1,500 million fee for the dog, and that's about 90 euros. 90, okay. And so these guys are purebred dogs, so they usually cost a lot more. Ici, le but n'est pas de vivre de la vente des chiens, mais bien de préserver les guépards en permettant à chaque fermier de pouvoir se payer son propre chien pour protéger son bétail et par conséquent les guépards. En 2019, le CCF a déjà placé plus de 650 chiens dans des fermes différentes. La simple odeur du chien permet déjà aux guépards d'être effrayés et de ne pas s'approcher de la ferme. À savoir que le guépard est aussi un animal qui n'aime pas la confrontation et aime les proies faciles comme les chèvres car ils veulent par-dessus tout éviter de se blesser. Pas moi, hein, le lait. Oh putain, il m'a croqué. Il m'a croqué. Ne mange pas, hein. Les chiens de berger, étant assez impressionnants, permettent aussi de repousser les guépards par peur d'être blessés par ces chiens. Nous sommes donc allés ensuite au plus près de cet élevage, avec les derniers chiots nés au CCF. Oh non. Oh non, les amis. Ils mordaient un peu plus que les chèvres.
Ça mord. Ouais, garde toutes les chèvres. C'est la copine. C'est ma pote. Allez, viens. Dog, I like to call him our mini horse because he's so big. He's big, hein? Mm-hmm. T'as des grands, lui. Et alors, toi? Et alors, toi? Oh, t'es oui. Grand. They know when we love them. Yeah. For sure. Hein? Tu sais quand on t'aime? Ah oui, ah oui, ah oui. Le CCF organise aussi donc des workshops avec les fermiers, c'est-à-dire que donc ils peuvent venir et donc leur montrer le but en fait de ce chien et leur montrer vraiment ce qu'ils avaient avant et après. Et aujourd'hui, il m'a expliqué qu'en fait avant les fermiers, faisaient un peu l'éloge du nombre de guépards qu'ils avaient tués entre eux. Maintenant, font l'éloge plutôt du nombre de guépards qu'ils n'ont pas tués. Donc ça aussi, ça montre vraiment l'avancée des choses. Et donc ici, donc, ils ont des workshops pour pouvoir apprendre. Et aussi, chaque année, ils ont vraiment des suivis des chiens pour savoir où ils en sont. Et potentiellement, parfois, qui ramènent les chiens s'ils ne sont pas assez capables de pouvoir protéger le bétail et les remettre ici pendant un certain moment avant de les renvoyer dans la ferme. L'étape suivante nous a amené à visiter la clinique au sein même du CCF, afin de pouvoir à tout moment être capable de procurer les soins nécessaires à tous ces animaux. Donc ici, qui vont permettre de pouvoir vacciner tous les animaux. Alors les cheetahs, les guépards, ils vont les vacciner une fois par an. À peu près le même principe aussi pour les chiens et pour les chèvres qui sont dehors. Et donc ils vont pouvoir les mettre ici et vérifier aussi que tout va bien. En même temps aussi, dès qu'un fermier par exemple les appelle en leur disant qu'ils ont trouvé un guépard qui est proche de leur ferme, ils les appellent aussi, ils vont chercher le guépard, ils vont l'anesthésier forcément et l'amener ici aussi pour faire un check-up et pouvoir l'intégrer ici donc au CCF. Vous l'avez compris, le CCF est un centre complet qui a su comprendre le problème et le régler à la source avec ses incroyables chiens de berger. Le guépard est un animal majestueux et c'est grâce à ces endroits et toutes ces personnes que ces animaux ont un espoir de reprendre la place qui leur est due. En Afrique, comme dans le monde entier, des milliers d'animaux ou encore même des insectes qui sont indispensables à notre biodiversité sont en danger. Chaque animal a son importance dans notre survie. Ce que l'homme a du mal à comprendre en ayant parfois ce discours où il pense qu'il est plus important que l'animal. Il est primordial de se rappeler qu'ils étaient présents bien avant n'importe lequel d'entre nous. Il nous faut alors apprendre à vivre en symbiose avec ces animaux, les accepter et se respecter les uns les autres. Le CCF, comme de nombreux endroits dans le monde, sont une preuve que cette cohabitation est possible et que l'humain doit prendre conscience que s'il souhaite continuer à utiliser cette terre qui n'est pas la sienne, il doit apprendre à préserver ceux qui étaient là avant lui. Sans quoi, nous courons nous aussi à notre propre extinction.